Donc l'idée, c'était de se saisir de la thèse de Léa. Félicitations, qu'elle vous a bien nous présenté avec brio, pour prendre un peu de recul sur l'activité du Gaming Lab, ce travail de valorisation, de médiation de la recherche, ensemble, avec trois intervenants qui vont nous aider à réfléchir à cette question. D'abord, peut-être présenter les intervenants. Donc Éric Lambert, vous êtes donc l'un des deux directeurs de thèse de Léa. Ça. Félicitations aussi, du coup. Et vous êtes professeur à l'Université de Poitiers. Peut-être en question introductive, c'est de demander pourquoi dans un département de sciences cognitives, enfin de psychologie cognitive, c'est ça ? Oui, pourquoi, tout à fait. Une thèse sur le jeu, est-ce que c'est un sujet récurrent, un sujet attractif pour... Alors, c'est assez novateur. Ça, c'est très très clair, c'est assez novateur. C'est la première thèse dans notre laboratoire. On est à peu près 50 statutaires. Et le laboratoire est très très vieux. C'est la première thèse sur les jeux de société, mais de toute façon, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas la première thèse en psychocognitif sur les jeux de société en France. Donc s'il n'y a aucune originalité de dire ça. C'est novateur, mais maintenant, s'intéresser à des pratiques quotidiennes qui peuvent avoir des effets sur le développement cognitif, ça, ce n'est pas du tout novateur. C'est, je ne sais pas, la nutrition, le sport. Il y a beaucoup de recherches sur sport et développement cognitif. Donc ça, ce qui est novateur, c'est les jeux de société. Donc, et on reviendra sur l'avantage d'une thèse chiffre pour ce faire. Mais sans ça, je pense qu'on n'aurait pas commencé quelque chose d'aussi original. On aurait été sur quelque chose de beaucoup plus balisé. J'aurais fait jeux vidéo, ce que j'ai fait par ailleurs, parce que c'est beaucoup plus simple. Et l'académie la comprend mieux parce qu'il y a d'autres recherches antérieures. Là, la grande difficulté de Léa, ça a été d'élaborer une première base bibliographique qui n'existe quasiment pas. Des fricheurs. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. Ensuite, comme deuxième intervenant, on a Thomas Kugler. Donc vous êtes CEO député chez Asmodée, c'est comme ça qu'on dit. Donc il fait partie donc, des fondateurs de cette entreprise Gaming Lab. Et vous, la question qu'on peut vous poser, c'est dans un travail de recherche, une entreprise comme Asmodée, qu'est-ce qu'elle vient apporter un peu et qu'est-ce qu'elle vient rechercher de cette participation ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on apporte, ce qu'on en retire, et puis l'occasion qu'on peut créer, en fait. À l'origine, quand on a réfléchi au lancement du Gaming Lab, on s'est dit, on est un leader de notre industrie. C'est une industrie sur laquelle il y a, comme vous le disiez, très peu de recherches spécifiques. Jeux vidéo, beaucoup, plein d'autres pratiques ludiques, plein d'autres pratiques de divertissement, mais pas tant sur le jeu de société. On s'est dit, si nous, on ne le fait pas, ou en tout cas, si on n'initie pas et on ne crée pas l'occasion, personne ne le fera. Ça, c'est le premier. Et je pense que ça a été confirmé aussi. L'exoticité du sujet, de par le fait qu'il n'a pas été beaucoup traité. Et après, on a eu un débat là-dessus. Qu'est-ce qu'on en attend ? Et en fait, je crois qu'il faut abandonner l'idée d'en attendre quelque chose, en tout cas sur la recherche fondamentale, et de dire, on verra ce qui va revenir. Et c'était un peu l'idée de lancer des hameçons, ou en tout cas d'aller voir ce qui allait se faire et d'avoir cette humilité de dire non, je ne vais pas en faire quelque chose tout de suite qui va se transformer avec certitude en une utilisation industrielle, un avantage compétitif pour nous, etc. En fait, le sujet n'était pas là. Et c'est aussi pour ça qu'on a construit le Gaming Lab de cette manière-là, avec un comité scientifique qui est indépendant, des choses comme ça. C'est surtout pour nous, on est dans un rôle de créer l'opportunité. Mais après, il faut que la recherche ait la liberté totale, en fait, de faire émerger ce qui émergera. Et après, à nous de partir de là et de le transformer en quelque chose d'exploitable. Et enfin, Vincent Berry, troisième intervenant. Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord, c'est ça. Et notamment au sein du laboratoire Experis. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique de Cité Thomas Gaming Lab. Et vous êtes aussi co-directeur d'une thèse que fait Michael, ici dans la salle, sur une deuxième thèse financée, une thèse chiffre financée par le projet Gaming Lab. Une petite question introductive. Aujourd'hui, cette thèse chiffre, justement, est-ce que pour un... Alors, je ne sais pas, vous avez tous entendu Léa nous expliquer ce qu'était une thèse chiffre par rapport à une autre thèse. Quelle est la différence par rapport à une autre thèse et pourquoi c'est une opportunité de financement aujourd'hui pour les Game Studies? C'était une opportunité, en fait ce serait plutôt aux personnes concernées qu'il faudrait demander. Non, du point de vue des chercheurs, d'abord c'est toujours un objet, alors surtout en sciences sociales, en plus en sociologie, on se dit toujours un peu suspecté de se dire, mais alors attendez, est-ce que c'est une vraie thèse, puis ils travaillent avec les entreprises, etc. Il y a toujours ce,
cette vision-là qui est parfois... alors qu'on peut avoir une position inverse aussi, c'est-à-dire que c'est très bien pour des chercheurs de confronter leurs travaux à des professionnels qui peuvent aussi avoir un regard là-dessus. Concrètement, de notre point de vue, nous, et du point de vue académique, une thèse en chiffres a autant de valeur qu'une thèse non chiffres, etc. Et nous, l'intérêt, c'est, pour un laboratoire en tout cas, c'est de faire de la recherche qu'on essaie de diffuser au grand public, mais aussi au monde professionnel. Et je trouve que c'est aussi des occasions de tisser des liens avec le secteur industriel et échanger des points de vue, débattre, etc. Donc, d'un point de vue formel, il n'y a pas de différence. D'un point de vue, on va dire, professionnel, il y a ce rapprochement qui est intéressant en termes d'échange et de rencontres. Il y a plein d'intérêts d'une thèse. De fait, il faudrait plutôt en parler au doctorant, mais il y a quand même... docteur, excuse-moi. j'ai confus. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs intérêts. Il y a aussi une collaboration, ça c'est très important. Le travail qu'on a fait avec Micha était parfait. C'est-à-dire qu'il y a des TSIF qui veulent très mal se passer, hein, soyons très clairs. Hein. Il y a des TSIF qui peuvent très bien se passer. Celle de Léa, c'est magnifiquement bien passé. Alors, et c'est pas parce que je suis là que je dis ça. Mal passé, ça peut être quoi? C'est où la charge de travail du côté salarié de l'entreprise prend beaucoup de temps par rapport au temps de recherche. Et la pression là, qu'avait Léa, c'est de faire une thèse en 3 ans, de publier au moins 2 articles scientifiques dans une revue internationale. On avait plusieurs critères d'entrée de jeu. Et voilà, il faut libérer du temps et ça a très bien marché. Donc, il y a dans l'autre sens une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'il y a des compétences de l'entreprise que nous on n'a pas dans un laboratoire et ça permet cet échange-là. Soyons très clairs. Et effectivement, en sciences sociales aussi, il y a un autre aspect, c'est que des fois on peut imaginer qu'on n'apportera rien à une entreprise tout de suite ou après ou dans très longtemps. C'est-à-dire qu'en informatique, il se pose plus cette question à des TSIF. Il y en a tous les étudiants sont en TSIF. Chez nous, c'est un peu, il y en a 10% des étudiants chez nous qui sont en TSIF, en gros. Et on a encore des preuves à faire, et ce genre de thèse, quand elles aboutissent, c'est la preuve que ça marche, et de fait, elle a une vraie qualité académique qu'on néglige plus, là. Et du côté doctorant-docteur, donc c'est vrai que ça nous apporte toute une expertise à laquelle on n'a pas accès du côté académique, donc en particulier sur les jeux de société. Là, voilà, j'ai pu vraiment échanger avec plein de personnes du milieu et ce qui a pu nourrir aussi des réflexions et des choix pour la thèse. Et puis, ça apporte aussi toute une expérience complémentaire en fait en entreprise que l'on n'a pas sinon quand on est sur un financement classique à être que dans le laboratoire de recherche. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pu vraiment profiter de toute cette expertise tout en gardant vraiment cette liberté de pouvoir faire notre travail scientifique avec pas d'obligation et pas de pression de la part d'Asmodée. Et c'est pour ça aussi que ça s'est très, très bien passé. Voilà. Après, je pense que ça tient en partie aussi du leadership du Gaming Lab, où effectivement, il y a des gens, Micha notamment, qui sait ce que c'est la recherche. Donc, il a aussi pu positionner l'entreprise pour arriver à préserver ce temps de recherche qui est effectivement important. J'allais dire, les boîtes cyniques pourraient voir ça comme de la main-d'œuvre peu chère. Et en fait, il faut éviter ça. C'est aussi le moyen de faire rentrer la recherche dans l'entreprise, qui est quand même un monde un peu alien pour nous qui sommes dans... En fait, la différence de temporalité entre la recherche et le monde de l'entreprise, nous, on est... Évidemment, on fait de la recherche appliquée pour créer des jeux et des choses comme ça, mais on est sur une temporalité qui est quand même plus courte. Là, il faut arriver à préserver 3 ans, dans le meilleur des cas, enfin dans l'horizon de temps plus court, et attendre de voir. Donc c'est sûr que je pense que le modèle chiffre où la personne est quand même aussi dans l'entreprise, c'est rassurant pour l'entreprise, parce qu'elle voit aussi la personne, peut voir un certain nombre d'évolutions au fur et à mesure du temps, sans forcément avoir les résultats, mais au moins se tenir au courant. Et donc je pense que c'est plus rassurant et ça rend l'opportunité plus intéressante pour l'entreprise. Et je pense que grâce au programme Gaming Lab en particulier, enfin en tout cas pour moi, ça m'a permis d'avoir aussi plein de contacts avec d'autres chercheurs qui gravitent autour du programme. Voilà, et donc c'est hyper important aussi, étant donné que voilà, par rapport aux jeux vidéo, les recherches sur les jeux de société sont moins développées. Et surtout dans mon domaine, ça a permis aussi de créer tout ce tissu qui est très important pour faire avancer nos recherches. Et ça force à la vulgarisation. Aussi. Non, c'est vrai. C'est la question de Anne, oui. Sinon c'est pas accessible en fait, enfin, c'est difficilement compréhensible pour
commun des mortels. Et donc, ça permet, et c'est un des objectifs du Gaming Lab, qui est aussi que tous les projets dont les tests chiffres, on ait une communication qui soit la plus accessible possible. Casser un peu cette barrière et pas rester dans un entre-soi de recherche, parce que sinon, on n'ira pas chercher les bénéfices de ce projet-là. Ce que tu disais aussi, c'est que même en tant que docteur ou doctorant sur le sujet, c'est aussi pour toi d'élargir ta palette de compétences. Ah oui, oui, complètement. Sous-entendu tout à l'heure, c'est vrai. Pour l'apport de la cifre et toi-même, oui. Je veux dire, après, en termes de débouchés, non pas simplement pour tes termes de recherche, mais pour le doctorant lui-même dans sa carrière, d'avoir des horizons. Tout à fait. Je pense que ça n'empêche pas d'un côté de continuer une carrière académique, comme le disait Vincent, finalement, que ça n'empêche pas de mener une thèse et de pouvoir continuer côté recherche, université. Et ça ouvre aussi complètement des portes dans tout le domaine de l'entreprise, de l'industrie, là en particulier l'industrie ludique. Et moi, je serais contente de pouvoir continuer justement à collaborer, à travailler à Asmodée. Donc ça offre aussi tout ça. Et donc tout le panel de compétences des deux côtés, tout à fait, qui va avec. Et pour vous, peut-être des profils aussi qui sont pas forcément ceux qui seraient naturellement arrivés jusqu'à vous. Ça fait émerger des talents, c'est une problématique de la plupart ou de toutes les entreprises. C'est aussi de trouver des talents et de faire évoluer son pool de talents. Donc c'est sûr que c'est intéressant. Là, Gaming Lab, il y a trois tests chiffres, dont la première était la tienne et qui est soutenue. Et il en reste deux en travaux. En 2023, je crois que vous n'avez pas retenu de thèse sur ce format-là. Et en 2024, il n'y a pas eu pour l'instant d'appel. C'est pas prévu. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça qui explique ça? Je ne sais pas si Vincent, tu sais répondre à cette question-là. C'est juste une pause dans le programme et ça reviendra. Oui, il y a le comité scientifique, mais comme nous aussi, on définit un peu les moyens. Je pense que c'était un premier cycle. On a besoin de comprendre, on a besoin d'apprendre. Il y a un temps de réflexion aussi de regarder, parce que ce qui est extrêmement important, c'est effectivement que chacun y a un intérêt, entre guillemets. Et puis le deuxième sujet, c'est aussi que c'est un format qui est très spécifique. Et donc, nous aussi, dans nos objectifs de RSE, c'est des objectifs qui sont challengés de RSE, manière régulière, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, on revoit aussi, on doit revoir tous nos programmes. C'est vrai que là, pour l'instant, on a fait le choix de faire une première pause, et notamment aussi, parce qu'on a besoin d'aller au bout des trois thèses qui sont sur des domaines qui sont très différents les uns des autres, pour potentiellement aussi pouvoir dire, les thèmes de prédilection du Gaming Lab, de se positionner plus ou moins largement, ça on verra, à la fin. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est encore une opportunité, tu sais que c'était 10% aujourd'hui de votre laboratoire, de vos doctorants, est-ce que ça va aller en augmentant, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres opportunités de financement qui viennent un peu remplacer ce format-là? Les opportunités de financement, il y en a de moins en moins, donc soyons très très clairs. Il y a plusieurs possibilités, mais juste parce que là on en sort, nous on a une allocation du ministère qui nous tombe tous les ans. Dans la taille de mon labo, je sais que j'aurai cette allocation moi une fois tous les 30 ans. Donc, il est clair que si je veux des doctorants, il faut que j'aille chercher de l'argent ailleurs. Enfin, c'est très basique de dire ça, les fonds propres de notre laboratoire, avec le nombre de statutaires, fait que si on est lancé, donc on aura de fait, ça va monter en puissance, je l'espère. Mais c'est pas un pis-aller. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pas dire la location ministérielle, c'est ce qu'il y a de mieux. Pas du tout, au contraire, je le pense vraiment pas. Moi, j'ai eu trois thèses chiffres. Les trois, malheureusement, ont été embauchés par l'entreprise qui les a. Et j'en ai retenu aucune au laboratoire. J'en suis très, très malheureux, parce que les trois auraient pu vraiment continuer une recherche académique. Donc, c'est prouve bien qu'on a à la fois des qualités d'entreprise et des qualités de recherche. Et c'est pour les entreprises, c'est vraiment, je pense aussi... Enfin, c'est un échantillon pas du tout représentatif, mais... il faudrait, la NRT pourrait nous donner les chiffres d'ailleurs d'embauche dans les entreprises de la CIF. Je ne les ai pas, ces chiffres-là, mais je suis sûr qu'ils sont assez impressionnants, hein, parce que les entreprises cherchent à garder ensuite leur doctorant. Nous, je suis sûr, alors nous, on a un tout petit labo, on est une dizaine à grosso modo, et en plus, on a une centration sur les loisirs et sur le jeu. Alors, on n'est pas énormément de professeurs, donc c'est des questions logistiques, nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas énormément de professeurs des universités.
qui peuvent accompagner des doctorants. Par ailleurs, on n'est pas mis dans une, enfin, j'ai pas dit que c'était le cas, mais dans une logique de d'absolument avoir des doctorants, voilà. Donc, je pense qu'il y a des profils, des années, on a des profils, non seulement de gens, parce que une thèse, qu'elle soit en CIF ou ailleurs, c'est un engagement, enfin, je veux dire vraiment important. C'est passer trois ans, on sacrifie trois ans, pas plus, de plein de choses, hein, d'une partie de sa vie sociale, etc. Donc c'est une vie. Donc il faut trouver des gens qui ont les compétences scientifiques, qui ont aussi la volonté de le faire et une forme d'endurance aussi. Hein, il y a quelque chose du marathon dans le course de fond, on va dire, dans la thèse. Et puis aussi, il faut des sujets. Il y a des années où on avait des doctorants qu'on n'a pas proposés en CIFRE, etc. Parce qu'on voit quels sont les sujets qui peuvent intéresser aussi des entreprises, des professionnels, etc. Donc voilà. Donc ça dépend aussi à la fois du stock, mais des profils qu'on a. Et moi, je trouve enfin pour nous en tout cas, on est à peu près sur des moyennes de tous les 2-3 ans, on a des candidats qui seraient... voilà, donc, cette année, j'en avais éventuellement un, mais il n'y a pas de chiffre. Enfin, c'est pas un souci, hein, on fera ailleurs. Mais voilà, on n'est pas aussi dans une logique de production de doctorants importante. Et des labos centrés sur le jeu, comme le nôtre. Sur le jeu vidéo, il y en a de plus en plus. Nous, notre singularité, c'est qu'on travaille aussi bien sur le jouet que sur le jeu vidéo, sur le jeu de société. Et à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça non plus qui peuvent. Et puis la dernière difficulté, c'est que ce qui prend du temps aussi, c'est de monter un projet de thèse, quoi. Et ça se fait en partenariat avec aussi les acteurs de la CIF. Donc il faut trouver un sujet de thèse qui intéresse les professionnels, mais qui ait une valeur dans le monde académique. C'est ça, la tension, elle est très souvent ici. C'est-à-dire que ce qu'on dit très souvent, mais d'ailleurs qu'ils soient en CIF ou pas aux étudiants qui veulent travailler sur le jeu, c'est. Ok, mais au-delà de la question du jeu, qu'est-ce que tu t'apportes comme réflexion générale à tel type de problématique en sciences sociales, à la question de la reproduction des inégalités, etc. Donc, c'est monter un projet de thèse aussi, en CIF ou pas, c'est un très long travail, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus des bataillons on a beaucoup de demandes, mais de propositions à faire. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de jeux vidéo aussi. Hein. Le sujet de ce soir, c'est plutôt le jeu de société, mais... Qu'est-ce qui explique, d'après vous, que la bibliographie, les travaux de recherche soient aussi balbutiants, pour le dire un peu brutalement, sur le jeu de société par rapport à tout ce qui a pu être fait jusqu'à aujourd'hui en jeu vidéo ? Il y a une différence de marché, déjà, quand même. Enfin, la première raison, c'est le marché du jeu vidéo, et c'est le premier marché de loisirs au monde, et les Américains ont commencé à impulser des recherches là-dessus internationales. Les autres pays ont suivi, et donc avec des résultats, avec des vrais débats de société aussi, soyons très clairs. La question de l'addiction, de l'agressivité d'un côté, les bénéfices de l'autre qui sont arrivés. Donc le grand public et les médias se sont mis sur ces questions-là. Donc forcément, ça a dû avoir beaucoup de chiffres pour comment revenir au sujet sur son équivalent dans d'autres pays sur les jeux vidéo. Donc il y a une grosse littérature et forcément, ça se nourrit soi-même. C'est-à-dire qu'on lit 4-5 articles, on se dit « Ah, ça, ils n'ont pas testé. » Donc on va chercher un troisième. Et puis aussi peut-être une vraie appétence des étudiants. Moi, avant, je faisais de la psycholinguistique. J'avais un étudiant tous les 3 ans qui était intéressé. Les autres, j'allais chercher par les cheveux. Et de manière, bien sûr. Là, je veux faire un sujet sur jeux vidéo. J'ai 15 étudiants qui sont à ma porte. Donc il y a aussi une... Y a, tout se rencontre, quoi. Donc je pense que on est sur ces questions... On a vraiment une forte attente et des réponses il y a toujours des demandes de là encore quand je fais de la psycholinguistique, personne m'a demandé mon avis jamais sur le jeu de société, sur le jeu vidéo, on est très demandé, il y a beaucoup d'attentes, le monde éducatif, le monde de la santé, est-ce qu'on peut utiliser le jeu de société, le jeu vidéo dans le monde de la santé, ça c'est une question centrale, c'est pas du tout résolu, mais voilà, j'entends bien, c'est à la fois des questions scientifiques et des débats de société. Et je pense que le premier marché de loisirs, le jeu vidéo, d'où voilà, tout ça fait monter les choses.
Et vraiment, oui, pour le côté recherche et scientifique, c'est vrai qu'il y a une littérature qui est tellement développée sur le jeu vidéo que ça aide, comme disait Eric, à rebondir. Et c'est vrai que moi, vraiment, je l'ai pas dit dans ces mots-là, mais vraiment sur le jeu de société que j'ai appelé moderne et en psychologie cognitive, il y avait vraiment les petites références que j'avais mises, il y en avait vraiment que 5, et c'était vraiment que les 5 seuls articles que moi j'ai pu trouver, en tout cas à ma connaissance, qui ont testé comment un jeu de société moderne peut influencer le fonctionnement cognitif. Et donc, du coup, c'est peut-être moins évident d'aller les trouver facilement et du coup, de vouloir monter un projet dessus. Mais bon, ça croît aussi, là. Oui, bon, vous sentez quand même, en dehors de l'expérience Gaming Lab, qui est intéressante, est-ce que vous sentez d'autres initiatives de ce type, d'autres travaux de recherche entamés internationalement sur le sujet, sur le jeu de société en particulier, peut-être même depuis le début de ta thèse? Ça fait 3 ans que tu travailles dessus. Est-ce que depuis 3 ans, tu as observé Avec la thèse, j'ai pu découvrir qu'il y avait vraiment un intérêt pour les jeux, et en particulier pour le jeu de société, dans le milieu éducatif surtout, dans le milieu de la santé aussi. Après, je pense qu'il faudrait, au-delà aussi de la psychologie cognitive, je pense que les études, je pense qu'en sociologie, par exemple, c'est encore autre chose, la quantité de littérature scientifique aussi à ce sujet-là et les dynamiques. Non, mais y a, pour aller dans le sens, il y a un effet de marché très clair, mais il y a aussi un effet de sociologie, c'est-à-dire que la sociologie du jeu vidéo, c'est le négatif du jeu de société. C'est-à-dire que le jeu de société, ça apparaît, on va dire, petite enfance, ça disparaît à l'adolescence. Les pratiques de jeu de société des adolescents sont très réduites. Et ça réapparaît plutôt à l'université et surtout socialement. Le jeu vidéo, si on regarde toutes les tranches d'âge, c'est un truc de masse, aussi bien dans les classes populaires que dans les classes moyennes, etc. Alors que le jeu de société, quand il sort quand il arrive au jeune adulte, il y a beaucoup moins de pratiques populaires. Donc ça reste une pratique de classe moyenne, et donc qui est moins massive et moins importante que ça. Et puis si on regarde les fréquences aussi, c'est-à-dire les fréquences, les secteurs... Enfin, quand vous prenez la tranche d'âge des adolescents, vous avez... En fait, la norme, c'est plutôt de jouer beaucoup. Alors que si vous regardez les fréquences sur les gens qui jouent, même les board gamers, les passionnés, les 10% de... 500 jeux chez eux, c'est des fréquences relativement... Il n'y a pas ce côté invasion dans la vie sociale, etc. Donc il a un côté un peu moins visible, ce qui explique ce phénomène-là. Après, il y a quelque chose aussi, c'est que quand même, le jeu de société, depuis les années 80, il augmente aussi bien chez les enfants, enfin en famille, que chez les adultes. Et à mon avis, ça va jouer dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on va voir si on a vraiment un effet générationnel, c'est-à-dire est-ce qu'on a une génération qui s'est mise à beaucoup jouer aux jeux de société, puis elle va continuer, mais derrière, ça ne suit pas. Ou si vraiment ça suit derrière, à mon avis, ça va faire comme pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que quand le jeu vidéo apparaît, il y a très peu d'universités au début, même quand c'était un phénomène très visible. Et c'est qu'il y a eu une telle durée de ce nouveau régime de jeu, enfin de jeu vidéo, que tout d'un coup, ils se sont dit, c'est pas possible, toutes les générations ont commencé à être concernées. Donc là, on va voir un peu ce qui se joue là dans les prochaines années. Et il me semble qu'on voit quand même des formes d'institutionnalisation, enfin... Bon, j'aurais fallu inviter mon collègue Gilles Brougère qui connaît la recherche sur le jeu depuis plus longtemps. Mais bon, dans les années 80, il y a eu une espèce d'explosion. Enfin, d'explosion, non, il y a eu quelques thèses, mais sur le jeu de rôle, par exemple. Et puis, pouf, ça a disparu. Donc là, il y a eu un effet générationnel très clair. C'est-à-dire qu'on a vu des jeunes qui jouent au jeu de rôle, qui sont arrivés à la fac, et qui ont dit, on a vu la même chose pour le jeu vidéo. Des jeunes qui ont beaucoup joué au jeu vidéo, qui sont arrivés à l'université, qui ont dit, je vais faire une thèse sur le jeu vidéo. Et mais derrière, il y a d'autres générations. Là, pour le jeu de société, moi, j'ai de plus en plus de demandes, en tout cas de recherche en master, etc. Et je vais voir si ça continue. J'ai le sentiment que ça continue, qu'il y a d'autres générations derrière qui jouent aux jeux de société. Voilà. Mais ce qu'on voit quand même, c'est les revues. Il y a plus de revues qu'avant pour publier sur jeux de société. Analog Game Studies, peut-être à l'année, je ne sais pas quand est-ce que c'est apparu, mais c'est assez récent, je crois que c'est 2000. Je ne sais pas. Tu les... Je regarde, mais... Ouais. Analog Game Studies, une revue dédiée aux jeux de société. Ouais. Je crois que c'est assez récent. Hein. Oui, c'est récent. Il y a quand même le groupe de recherche qui s'est monté à Birmingham, là. Non, ouais, c'est ça. Et donc, on voit quand même pas mal d'initiatives. Il y a toujours eu de la recherche sur les jeux de société. Il faut pas non plus. Voilà, il y a quand même les travaux des Board Game Studies, beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur les jeux traditionnels. Mais il me semble que quand on regarde les communications des Board Game Studies aujourd'hui, des premières, il y a de plus en plus de pratiques modernes, etc. Donc, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'indicateurs qui montrent qu'il y a un intérêt en termes de recherche sur le jeu de société moderne. Je pense aussi qu'il y a de la...
en dehors du monde académique, la lumière, elle est jetée ou elle est... Quand le sujet est polémique, pour jeux vidéo... Il manque un fait divers, en fait. Il y avait... Non, on va pas parler du... Mais ça a été le cas aux États-Unis dans les années 80, où il y a eu une perception extrêmement négative d'une partie de la population, qui a un côté rassuré. Je pense qu'il y a des enjeux aussi de temps, de disponibilité ou d'accès. Effectivement, le jeu de société, on joue plus quand on est petit, ça lapse un peu, et puis ça revient sur le jeu vidéo, avec certains jeux qui arrivent à se maintenir, à créer une continuité, les cartes à collectionner, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, l'intensité de la pratique, donc je pense que aussi les industriels se sont intéressés au sujet et ont fait en sorte qu'il y ait de la communication autour des résultats, des effets positifs, pour justement rendre socialement plus acceptable un truc où les parents pouvaient être un peu négatifs dessus, ou est-ce que c'est ouvrir la boîte de Pandore de faire rentrer le jeu vidéo dans l'école ? Voilà, le jeu de société, il est plus consensuel, donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que le sujet prend un peu moins au trip et donc permet aussi de moins déclencher d'intérêt à la base. Maintenant, je pense que ça va évoluer, effectivement, et on est aussi dans une phase où le jeu de société, ça a démarré au milieu des années 90, mais ça s'accélère chaque année, un foisonnement de plus en plus important de contenu. Les pratiques ludiques se développent, sont plus ongles, le laps pendant la période d'adolescence diminue, justement comme je disais avec les cartes à collectionner. Ce qui était un peu regardé comme un loisir gentillet est maintenant de plus en plus aussi pris au sérieux socialement. Et donc je pense que toute cette combinatoire fait qu'on aura sans doute plus en plus d'études sur les effets du jeu de société, quels qu'ils soient. Okay. Et en termes, on parlait de causalité dans ta thèse, là on peut voir la causalité dans les deux sens, c'est-à-dire Gaming Lab, il y aura plus le jeu de société étant plus visible, il va devenir plus un sujet de recherche, et donc des expériences comme Gaming Lab vont éclore, ou aussi est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si le fait de mener des travaux sur le jeu de société va peut-être, enfin, ruisseler dans la vie publique, dans la vie politique, dans la vie institutionnelle, comme tu le disais. Est-ce qu'on a cette ambition-là, quand on fait des travaux de recherche, d'influencer aussi un peu la réception publique ? Là, en tout cas, avec ce projet de thèse, moi, et aussi parce que c'était avec Gaming Lab, et voilà, avec le côté entreprise, ça permet de faire plus de communication finalement sur le projet. On a plus de contacts aussi, en effet, avec le public, donc des écoles, ou des joueurs. Et du coup, c'est vrai que ça donne envie de pouvoir amener des premiers éléments de réponse, même si on ne peut pas trancher sur des grandes questions de est-ce que le jeu de société permet d'apprendre à l'école, est-ce que je... Voilà, et moi, en tout cas, je voyais cet intérêt de pouvoir essayer d'amener quelques premiers éléments de réflexion, en tout cas. Après, oui, je pense qu'il y a une possibilité que ça fasse un cercle vertueux, mais... Après, il y a une plus grande vision à côté de moi. Faut être prudent et modeste. C'est toujours. Déjà, quand on lance un projet de recherche, c'est les résultats qui parlent et pas les intentions initiales. Et là, d'entrée de jeu, quand j'ai commencé, on a travaillé sur le projet, parce qu'on a mis 6 mois quand même avant de travailler sur le projet, la première thèse ensemble. J'ai dit, si les résultats montrent qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet. On n'ira pas contre les résultats, jamais. Et donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, ce qui est presque paradoxal, c'est que de fait, on va en école, chez les petits peut-être plus, mais on va en école et on dit, on va faire un jeu de mémoire, ça va améliorer la mémoire. On n'a jamais réussi à démontrer ça. Jamais on a réussi à dire on va faire un memory, ça améliore les capacités mnésiques des joueurs. Si quelqu'un le montre, tant mieux. Il faut être très très prudent, modeste et essayer de comprendre. C'est peut-être des fois, je ne sais pas, courir autour d'un stade améliore mieux les compétences mnésiques que jouer au memory. Mais jouer au memory, ça améliore peut-être d'autres choses. Et cette complexité-là, elle est très compliquée à faire passer dans le grand public, enfin même dans le monde éducatif, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose, une adéquation directe entre les effets. Et peut-être qu'il y en a certains, mais en psychocognitif, souvent, ça ne marche pas comme ça. Mais on est peut-être un peu tôt encore dans la recherche pour avoir amené des grandes réponses, ça c'est sûr. Ouais. Après, il y a des sujets d'améliorer. Il y a, au cas du Gaming Lab, on a aussi supporté un projet à l'Université de Nice sur justement l'utilisation de jeux de société pour des personnes âgées, pour le travail sur la dégénérescence, etc. Et de voir est-ce que ça ne peut pas juguler un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu.
Et en fait, alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste le fait qu'il y ait un moment social pour les pensionnaires de la maison de retraite ou de l'EHPAD? On n'en sait rien pour l'instant. On n'est pas à ce niveau de granularité et d'identifier la causalité en détail. Mais au moins, et puis ça, c'est un des moments où ça a relié la recherche et l'entreprise, c'est que du coup, nous, on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une version adaptée de certains jeux? Et c'est comme ça qu'on a créé un studio Access Plus. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, quand on a financé ces projets, on ne savait pas du tout ce qui allait en sortir. On a eu de la chance avec un projet, quelque chose comme ça qui est sorti, qu'on a pu traduire. Peut-être qu'il y en aura un autre l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Il faut avoir de l'humilité, il faut aussi se dire, parfois notre rôle, c'est juste peut-être de créer les conditions et puis on verra. Parce que oui, si on tord les choses pour que ça corresponde à notre manière de voir le monde, je pense qu'on se plante. Mais l'intérêt aussi, c'est vraiment une interaction, c'est que peut-être que Léa s'est un peu sentie mal dans mon équipe de recherche parce qu'elle était peut-être un peu seule. Mais j'ose espérer que justement cette dynamique-là, ça va changer au fur et à mesure du temps et que dans le laboratoire, il faut aussi voir qu'il faut qu'on arrive à convaincre nos N+1 quoi, à un moment. Et donc, c'est à partir du moment où on a fait une thèse, qu'on a réussi à publier, qu'on va encore finir de publier. CNRS, il est content, hein, il regarde ça, il dit seulement. Et donc, il y aura aussi cette idée qu'on va pouvoir avancer sur des projets peut-être un peu plus pointus, précis, avec une visibilité plus directe. Je reviens mémoire et mémorie, c'est pas du tout ça, mes projets. Mais voilà, c'est quelque chose qui parlera peut-être plus que la pratique sur les fonctions cognitives. Il fallait débroussailler, et puis maintenant, on va peut-être pouvoir chercher des points un peu plus précis, avancer sur ces points qui vont être peut-être plus directement applicatifs. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez partager avec nous ce soir, de manière un peu plus libre, avant qu'on propose au public de poser des questions? Nous, on est contents parce que c'est un pari aussi. C'est-à-dire que d'accueillir quelqu'un pendant 3 ans, c'est aussi peut-être ça qui peut rebuter. Alors, je trouve que le modèle de la CIFRE, je ne sais pas s'il existe dans d'autres pays, mais est quand même assez génial de ce point de vue-là. C'est un peu arriver à combiner le meilleur des deux mondes. Et il faut le reconnaître, c'est aussi l'occasion qui a fait l'opportunité. Au centre de Gamilab, dans le dispositif Gamilab avec tout ce qu'il contient, la thèse CIFRE aujourd'hui c'est quand même une part importante dans la part. C'est un des leviers. Un des leviers. Alors, évidemment, on a démarré le Gamilab il y a quelques années, on apprend, même si ça fait plusieurs années, en fait on apprend les différents leviers, on apprivoise aussi le monde de la recherche en le découvrant, apprendre ce qu'on peut en attendre, pas en attendre. Enfin, c'est toute cette notion d'humilité, etc. Et encore une fois, parce que l'entreprise, elle est dans cette recherche de super, c'est génial, à quoi ça sert, qu'est-ce que j'en fais? Il y a aussi ce filtre régulier. Et donc, on avance doucement et on réfléchit aussi à ce qu'on veut. À l'aune de la première thèse. Donc, entre le moment où on a démarré et aujourd'hui, il y a eu 3 ans. Mais on ne peut pas se baser que sur une seule thèse. Donc, on a les 2 autres qui sont en train de se poursuivre. On attend aussi les avancées avec intérêt sur des choses complètement différentes. Je pense que là, on pourra voir si effectivement, nous, dans notre cas spécifique, est-ce que c'est quelque chose qu'on poursuit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrête, qu'on va plutôt sur des projets plus appliqués, comme on l'a fait. Enfin, là, on a vraiment ouvert le champ des possibles énormément. On a besoin un peu de faire le bilan pour avancer, parce que ce qu'on veut, c'est quelque chose de pérenne. Encore une fois, ton entreprise peut parfois être un peu challenging, et mettre en cause des choses. Et comment ce travail de thèse, il s'intègre dans le reste du dispositif Gamilab? Vous avez des ponts avec les autres activités de Gamilab, en dehors de ce qu'on fait là, qui est en fait, de la présenter au public et de la vulgariser? Alors, en fait, moi, concrètement, avec la CIFRE, j'avais 70% de mon temps qui était dédié donc, à mon laboratoire de recherche et mon travail de thèse, et 30% de mon temps, toujours en lien avec la thèse, mais du coup, dédié c'est ça, à l'entreprise. Et donc, ça m'a permis de rejoindre les missions de Gamilab. Et donc, au-delà du travail de thèse, Gamilab soutient aussi à plus court terme des projets de recherche internationaux. Donc, c'est des projets qui durent un an et demi. Et moi, ça m'a permis d'avoir aussi tous ces contacts avec tous ces chercheurs. Exactement.
que tu disais tout à l'heure, donc de te mettre en contact. Exactement. Du monde industriel, mais aussi du voilà. monde académique. C'est ça, tout à fait. Okay. Mais c'est aussi important dans l'autre sens. Hein. Enfin, nous, d'avoir des remontées de questions dont on se dit « Ah, bah, ça serait très intéressant de tester ça. Oui, » c'est vraiment intéressant de voir que le terrain nous dit... avant, je travaillais plutôt dans les rectorats et dans les écoles. Donc, et les enseignants posent des questions. Et des fois, mais oui, mais ça, c'est une super question de recherche. Il faut vraiment aller creuser ça. Et tant qu'on n'est pas dans l'entreprise, ou alors, je parle enfin, sur le terrain, on peut perdre un peu ces questions de recherche. Donc là, il y avait aussi, Léa pouvait nous ramener des interrogations du terrain qui sont absolument passionnantes et qui a ouvert 50 thèses. Ensuite, il peut y avoir 50 chiffres hein, demain, je pense qu'il y aura aucun... enfin, il faudra les diriger. Mais il y a vraiment, oui, plein... Et puis, il n'y a pas que la CIF, de fait, on en parlait, mais il y a plein de leviers, le mécénat, etc. Il y a beaucoup d'autres leviers de possibilités de subventions, de recherche. Mais oui, c'est vraiment un va-et-vient entre les deux. Et je pense qu'une évolution des laboratoires, c'est d'être de plus en plus auprès du terrain et d'attendre ces questions-là. Enfin, notre laboratoire, c'est très, très clair. On a évolué beaucoup sur ces questions-là. Et maintenant, je pense qu'il y a, au contraire, quelqu'un qui est dans une telle cifre, il est vu avec une grande bienveillance au sein de notre laboratoire. Il n'y a plus aucun problème là-dessus. C'est sûr. Vous parliez d'encadrer, il y a aussi besoin d'accueillir dans l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas juste une question de faire des chèques. Si c'était ça, ça serait trop simple. C'est fou. Ça peut se faire. Ce que je veux dire, c'est que l'entreprise, elle veut. Sinon, on veut le faire, il faut le faire correctement. On a accueilli Léa, on accueille les autres thésards, et c'est il faut avoir des projets, il faut avoir des sujets sur lesquels les mettre, qui sont cohérents aussi avec leurs compétences et avec leurs sujets. Parce que si les 30% de son temps, on les avait mis face à un téléphone pour essayer de vendre des jeux de société, je ne suis pas sûr que ça aurait été extrêmement épanouissant. Donc voilà, il faut aussi que l'environnement s'y prête au sein de l'entreprise. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour le public ? Il y en a forcément. C'est plus une remarque qu'une question. Je trouve ça très rassurant ce que vous dites, monsieur Eric. monsieur Eric, c'est là. Parce que je crois que, effectivement, la France, et c'est un des sujets qui était à la genèse aussi de la réflexion de l'INAM, a eu tendance à avoir des laboratoires de recherche qui étaient un peu déconnectés. Des entreprises et des applications, sauf dans certains domaines où c'était très, très... Il y a des domaines où on avait, je dirais, une filiation absolument structurée. Et sinon, et donc il y avait une incapacité presque à se comprendre que les temporalités ne sont pas les mêmes, que les problématiques... Et je pense qu'arriver à créer ce dialogue entre les laboratoires, qui est un peu... Alors, il est un peu imposé par la conjoncture, c'est vrai que la recherche de financement a un peu imposé aux laboratoires... Complètement. De se rapprocher du monde de l'entreprise, mais finalement, ce rapprochement, il permet de donner quelque chose de beaucoup de très concret aussi aux travaux de thèse dans la manière dont... Et le fait que ça oblige à ça, ben, ça amène les entreprises à pouvoir beaucoup plus s'accrocher et comprendre comment elles vont pouvoir l'utiliser dans la réflexion. Et même s'il n'y avait pas eu de résultat, hein, est-ce que vous disiez au départ, à chaque fois, ça suscite des réflexions, ça suscite des interrogations et ça suscite une dynamique de dialogue au sein de l'entreprise. Et ça, je pense, et on l'a bien vu, et le fait de compléter par ailleurs des thèses avec un très grand nombre de projets, parce que Gélinas, aujourd'hui, il y a effectivement un nombre de thèses, mais il y a un très grand nombre de projets en parallèle, et bien tout ça, en fait, effectivement, se nourrit et crée un écosystème qui doit aussi dialoguer. Et c'était aussi un des sujets qu'on avait au départ du Gaming Lab, doit être capable de dialoguer avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et nourrir aussi bien les créateurs de jeux qui voilà, ont des certitudes différentes et partent avec beaucoup de certitudes et beaucoup de particuliers, etc., et permettre ce dialogue-là. Donc je pense que la réalité de ce qui se passe sur le terrain est en fait très créateur de beaucoup d'opportunités de manière très différente pour les parties prenantes. Et même si je peux rajouter quelque chose, une évolution, parce que je suis un vieux dans le laboratoire, une évolution des doctorants, ce genre d'échange permet de faire prendre conscience aux doctorants
des capacités qu'ils ont aussi de faire une recherche d'emploi qui n'est pas forcément académique. Et ça, c'est compliqué à dire à un doctorant, mais tu as plein d'atouts pour aller taper sur telle ou telle porte. Tu as des soft skills qu'on développe, de la méthodologie, des capacités de rédaction, indépendamment même du domaine, hein, je pense, hein, qui sont fortement attendus dans l'entreprise. Et tu ne te rends pas compte que tu as ces compétences-là et qu'elles sont très intéressantes sur le milieu du marché de l'emploi. Et le fait, dans une thèse CIFRE, et d'avoir ces échanges-là, fait qu'il y a une prise de conscience, je pense, dans un labo, aux doctorants, de leur dire « Ah ben, mon objectif, ce n'est pas uniquement, ou en l'occurrence, c'est presque jamais, mais d'être maître de conférence, mais j'ai plein d'autres opportunités. » Et ça, c'est l'évolution au cours de ces 10 dernières années, à mon avis, et c'est grâce à ces échanges et ces interactions qu'on est arrivé à ça. Peut-être toi, Eric, par rapport au projet initial il y a un peu plus de 3 ans sur lequel on avait discuté et la finalité de la présentation aujourd'hui, quel est ton ressenti ou quelle est la différence entre ce que tu avais pu imaginer et ce qui en ressort? Alors, entre les deux, il y a eu le Covid. C'est pas une anecdote, parce que partir sur un jeu de société avec des adolescents qui doivent se passer du matériel en temps de Covid, c'était foutu. Et donc, soyons clairs, on a essayé de rebondir, on a, par la force des choses, quand on a fait l'étude en ligne, elle n'était pas prévue au départ. Mais une étude en ligne, c'est compatible Covid. Une étude en collège, ce n'est pas compatible Covid. Donc on a commencé, enfin on a très vite rebondi. Donc il y a eu des évolutions forcées. Au final, à chaque fois qu'on a un projet de thèse, à mon avis, il est toujours trop ambitieux. Donc on a réduit les ambitions, mais on est arrivé, je pense, vraiment là où je pensais qu'on arriverait au bout. J'ai aucun problème, même plus, et c'est grâce à Léa, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à Manuel Jiménez, c'est grâce à Léa qu'on est arrivé à un cran au-dessus de ce que j'aurais pu attendre. Et est-ce que vous n'avez pas, grâce au Covid et grâce à cette thèse, réalisé qu'effectivement, faire des panels en ligne, des éléments en ligne, qui sont en réalité complètement corrélés de l'évolution sociétale en général et des usages, dans votre pratique de la psychologie collective, est quelque chose que vous pouvez effectivement intégrer? Ça reste une question compliquée, parce que souvent nos tests perdent leur qualité métrique quand ils sont à distance. Parce que la personne est toute seule, elle est derrière son ordinateur, elle peut être distraite par 20 000 choses autour d'elle, et on va avoir une grande variabilité, et donc il faut des populations beaucoup plus grandes. Quand on les amène dans chez nous, on est derrière eux, ils ont le droit de rien faire d'autre que de faire leur test. Et alors, un autre stress qui vient vous faire, qui change les fonctions cognitives. Oui, mais il est pour tous pareil, au moins, parce que donc on a une plus grande homogénéité, on peut réduire la taille des groupes, mais je pense qu'il faut faire les deux. Là, l'échelle de flow qu'on a développée, elle a tout de suite permis d'avoir 300 participants. Ça a été assez relativement vite. Hein. Là encore, ça va vite parce que Léa a travaillé fort. Mais c'est aussi un outil qui vient en complément et pas en... Mais effectivement, le Covid nous a fait changer notre mode de travail, notre mode d'enseignement. Et juste, moi je peux garder cette histoire de l'état de flow. Ouais. Et la. Moi c'est flow, couvert, scale. Hein, mais j'adore l'état de flow, ça, je vais le réutiliser. C'est pas traduisible. Non, on est. Et donc vous avez établi un modèle de test de cet état de flow. Est-ce que ça s'appliquerait par exemple à des étudiants à la fin d'un cours de dire c'est quoi votre état de flow? Et est-ce que ça correspond en fait à un niveau de satisfaction? Non. Là, oui et non. Donc, ouais. C'est beaucoup plus précis que ça. C'était vraiment là les 3 bulles que j'ai présentées avec les 9 éléments au total. Ouais, on peut peut-être la remettre. L'état de flow, c'est tout ça en même temps. C'est encore un petit peu après. Et ça va être là avec. Voilà. Et donc, le fait qu'il y ait ces 9 éléments-là qui sont regroupés, qui sont cocher, c'est ça qui va amener du coup à un état de flow. Et donc c'est au-delà de juste la satisfaction, ce serait vraiment un état de fonctionnement optimal.
C'est l'état optimal de concentration. La liste de concentration, d'engagement, de plaisir. C'est ça, on pourrait le dire comme ça. Ouais, tout à fait. Ce qu'on cherche à atteindre quand même. Oui. Oui. Non, mais oui, non, mais ça pourrait nous amener loin. Mais cette fois, à la base, il n'est pas du tout sur la base, il est sur le sport et la pratique d'un instrument de musique. Il a été développé sur ces deux pratiques-là. Ensuite, il a été reproduit dans beaucoup de domaines. La lecture d'un ouvrage, au cinéma, à la télévision, ça ne marche pas, si j'ai bien pu comprendre, je ne suis pas spécialiste du tout. Il a été dans le jeu vidéo, beaucoup. Moi, je donne des cours à des étudiants qui développent des jeux vidéo. Leur graal, c'est d'atteindre l'état de flow de leur joueur, quoi. Et c'est assez drôle. Donc, déjà, j'ai aucune ambition. Je suis sûr que mes étudiants n'ont jamais un état de flow. Parce qu'ils sont en cours avec moi, j'en suis sûr. Sans psycho, ils sont trop nombreux. Mais l'idée, là, c'est vraiment quelque chose qui peut être évalué. Et puis, ce n'est pas en tout ou rien, pour finir là-dessus. Excusez-moi. Pas en tout ou rien. C'est un continuum. Voilà. Donc, on a peut-être des micro-états de flow dans d'autres situations, comme une situation de cours, mais on les a beaucoup plus, je pense, dans des situations telles jeux de société. Là, je pense. Mais pour faire un clin d'œil avec les normes d'entreprise, l'état de flow, c'est quand même plus signifiant que l'ATS. Voilà. C'est un rêve. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, juste un petit rappel. Enfin, déjà, merci de votre attention. Merci aux quatre intervenants et intervenantes pour cette table ronde et d'avoir partagé leur vision des chiffres et des recherches en jeu, de la recherche en jeu actuelle. Petite actualité Gaming Lab, j'en parlais à Anne, il y a les projets en dehors des thèses, il y a les projets qui sont en cours de sélection et de signature pour les nouveaux projets de recherche qui sont subventionnés par Gaming Lab. Il y a le Festival international des Jeux de Cannes qui se tient en fin février 2024, sur lequel Gaming Lab aura une série de conférences, notamment présentées par Léa ici présente. Et puis il y a le nouveau site internet qui doit arriver incessamment sous peu. C'est parti des annonces. Dans les annonces, prenez votre temps. On est dans la temporalité. Industrielle. On est dans une temporalité de recherche, pardon. Ouais. Donc on va arrêter. C'est classique, là, ce coup-là. Et on vous invite maintenant à vous rejoindre le fond de la salle pour la partie collation et distribution au Liban. Merci.